Ici, on change le filtre à carburant. On doit mettre, on doit donner un coup de soufflette parce qu'il est trop sale. On a ici la soufflette. Ici, on a débranché la fiche. Il faut débrancher les deux tuyaux maintenant. Ici, on a débranché les deux tuyaux. J'ai mis des papiers sur les tuyaux parce qu'il va se renverser partout sinon. Ici, on doit desserrer ça. Hop. Hop, hop. Ici, on a le nouveau. On le met en place. On doit serrer ici. C'est bon. Ici, le vert, c'est le premier. Ici, le blanc sur le deuxième. Okay. On remet la fiche en place ici. Et on est bon. Après l'installation du filtre, on doit mettre plusieurs fois le contact. Juste on met le contact 3-4 fois pour faire remplir le filtre et après on pourra la démarrer. Si on l'a, comment, si le filtre est vide, on va essayer de démarrer, c'est pas bon. Elle va prendre de l'air sur le système et c'est galère pour la démarrer après.